Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace BNL. Espace BNL, c'est un endroit où on rapproche, on informe et on inspire les gestionnaires d'OBNL à travers tous les secteurs et à travers la province. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité de marque pour nous parler de relations publiques. C'est la première d'une série de trois capsules qu'on va faire sur le sujet. Steve, bonjour. Bonjour. En introduction, aujourd'hui, on va parler de porte-parole. Oui. T'en es un qu'on connaît assez bien ou qu'on a connu assez bien. J'aimerais ça, en guise d'introduction, que tu te présentes un petit peu là-dessus, sur ton vécu et ton parcours. Ben, mon nom est Steve Flanagan de Flanagan Relations Publiques. J'ai commencé ma carrière comme journaliste, 13 ans à Hydro-Québec, entre autres comme porte-parole principale de l'entreprise, avec à mon actif plus de 3000 entrevues en tant que porte-parole d'Hydro-Québec. Et au cours des 16 dernières années, donc en consultation, donc du conseil auprès de différentes organisations en relations publiques, en gestion d'enjeux, et évidemment en formation de porte-parole, de prise de parole publique. Excellent. Fait que tu es la personne de choix pour parler de ce qu'on va parler aujourd'hui, à savoir le rôle d'un porte-parole en OBNL. Le rôle d'un porte-parole, c'est effectivement très important dans toutes les organisations parce que c'est la voix et l'image de l'organisation, et en quelque sorte, on est capable de s'identifier à cette personne-là. À partir du moment où on la voit, cette personne, on est capable d'identifier très souvent l'organisation. Dis-moi donc un petit peu, là, ça devrait faire quoi un porte-parole? C'est quoi la description de tâche selon ce que tu as vécu? Un porte-parole public, particulièrement dans les médias, c'est quelqu'un qui va faire le pont, dans le fond, entre le public et l'organisation comme telle. Ce sera, comme je le disais, la voix et l'image de l'organisation et sera aussi également la personne qui se trouve à être le point de contact avec les journalistes et les médias. En gros, là, c'est un peu sa description de tâche. Et sa responsabilité, en quelque sorte, c'est vraiment de développer et de maintenir des liens durables avec le public. Avec le public, puis par l'entremise des médias. Par l'entremise des médias, dans bien des cas aussi. Ouais. Quoique maintenant, ça se fait de plus en plus directement avec les médias sociaux puis les plateformes de communication en direct. Absolument. Alors, on peut être un porte-parole à travers les médias, mais on peut être aussi porte-parole à travers ses propres plateformes numériques. En OBNL, c'est souvent un pouvoir qui est divisé en deux entités, à savoir un conseil d'administration où il y a une présidence et une direction générale, ce qui est beaucoup la clientèle avec qui on parle, nous, qui sont les gestionnaires. C'est le rôle de qui? Le DG, le président, des administrateurs, le spécialiste au com? En fait, on peut avoir plusieurs porte-paroles au sein d'une organisation et à ce moment-là, on va essayer de départager les tâches. Le rôle d'un conseil d'administration, c'est vraiment un rôle de gouvernance. Donc, en quelque sorte, le président ou la présidente d'un conseil d'administration sera très souvent appelé pour parler de vision, parler de développement futur de l'organisation, alors que à la direction générale, on va être plus sur les opérations, plus sur le quotidien, plus sur le court terme. Et on peut avoir aussi une conseillère ou un conseiller en communication qui également va agir comme porte-parole, mais encore là, dans un contexte là, plus quotidien là, comme tel. Puis, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que c'est vraiment plus une division des tâches en fonction des sujets plutôt qu'en fonction du poste. Parce que je vois beaucoup de DG qui disent ben, « je vais laisser mon président parler, ça va lui faire du bien à son ego ou il veut s'impliquer puis ça va lui donner de la visibilité. » Oui, bien en fait, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de mélanger les genres dans le sens. Parce que éventuellement, autant le public que les journalistes vont s'habituer. Si la présidence du conseil s'exprime régulièrement sur à peu près tout, va venir peut-être un temps où on devra à ce moment-là favoriser une présence médiatique de la direction générale, mais peut-être qu'il n'y aura pas une bonne réception de la part des médias parce qu'on est habitué de parler avec la présidence. Alors donc, il y a un petit côté de stratégique aussi également dans l'utilisation des porte-paroles, puis de clarifier dès le départ, je dirais, les rôles, les responsabilités de chacun à titre de porte-parole, ça devient essentiel comme ça, bien, quand on se retrouve face à l'adversité, par exemple, bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile au niveau de la gestion
de prendre les décisions, à savoir qui va s'adresser publiquement là, par l'entremise des médias. OK. C'est quand même souvent quand ça va mal que c'est nécessaire. On s'entend. Là. On s'entend. Quand ça va bien, là, on se pose jamais de questions. Mais faut toujours prévoir le pire. Comme ça, ben, généralement, les gens sont bons pour gérer le bonheur. D'ailleurs, le pire, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on a une tendance médiatique où on dirait que les journalistes, c'est ce qu'ils cherchent, le pire. Ils cherchent les bébites, puis ils cherchent à nous prendre en défaut. Bien, ça va avec le besoin des médias d'attirer l'attention d'un auditoire. La vie des gens heureux, à moins qu'ils soient célèbres, là, on va dire, ça intéresse pas nécessairement les médias, puis c'est pas nécessairement vendeur. Alors, c'est sûr que dans la crise actuelle des médias, on a tendance de plus en plus à aller chercher, ça a toujours été le cas, mais on a tendance de plus en plus à aller chercher tout ce qui est en marge et peut-être même de générer, dans le fond, des exclusivités. Justement, là, en allant, en regardant une situation d'un autre angle pour justement là, attirer un auditoire beaucoup plus gros que d'habitude. Mais en même temps, il y a un petit peu un effet pervers parce qu'on n'a plus cette objectivité-là. Souvent, ça vient teinter le commentaire, ça vient teinter. L'objectivité en journalisme, ça n'existe pas. Merci. On a une ligne éditoriale. Hein? Chaque média a sa ligne éditoriale. Et aussi, chaque journaliste aussi également a sa vision des choses. Bon, ceci étant dit, c'est pas tout noir non plus, mais le fait qu'on ait de moins en moins de médias, c'est beaucoup plus difficile hein, pour les organisations de faire la manchette d'une manière, disons, positive et favorable à cause du fait qu'il y a de moins en moins de médias, puis il y a une concentration aussi, ce qui fait qu'on peut parler avec un journaliste puis se retrouver sur plusieurs plateformes, ce qui est en soi peut-être une bonne chose. Mais à l'inverse aussi, des fois, on est limité parce que, justement, on n'a pas un grand accès là, à une multitude de médias dans une région donnée, par exemple. Quand justement, il se passe une crise ou qu'il y a du négatif autour d'une organisation, très souvent, là, on va parler pour les OBNL, c'est le DG qui se ramasse avec la patate chaude, qui peut être sa responsabilité, oui, mais qui peut dater d'avant lui, puis ainsi de suite. Oui. Ça devient très personnel. Souvent, on attaque la personne qui est le porte-parole. Comment on fait comme individu pour pas se faire accrocher à l'épicerie puis se faire engueuler parce qu'il s'est passé tel problème dans notre organisation? Ou... C'est sûr qu'il y a des milieux qui sont plus favorables que d'autres de personnaliser le rôle de la direction générale avec un événement, par exemple. Et à ce moment-là aussi, il y a des milieux qui sont beaucoup plus petits que d'autres et puis les gens sont plus connus. Alors, je pense que le danger qui nous guette ou le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se prendre plus gros que l'événement comme tel ou de se prendre pour l'événement. Donc, d'être capable en tout temps d'assumer son rôle en toute humilité et d'être capable aussi également de se donner une distance par rapport à ce qu'on représente. Dans le fond, on n'est pas l'organisation. Alors, quand on va se retrouver face à l'adversité, bien, en quelque part, on va être capable d'agir en tant que porte-parole, mais avec cette distance-là, et qu'il sera perçu aussi également par le public. Alors, donc, à ce moment-là, les attaques personnelles risquent d'être absentes ou d'être moins virulentes. Mais souvent, des fois, on a tendance à vraiment parler au jeu quand on parle d'un événement parce qu'on le gère. Et ça, c'est un piège dans lequel, éventuellement, on peut payer très cher, justement, quand on se retrouve dans une situation de crise. Oui, puis dans les plus petits milieux, ça s'évite et on te reconnaît très rapidement. Oui, absolument. Ouais. Parce que très souvent, on te reconnaît pour le positif. Oui. T'es le leader de l'organisation, t'es la personne qui est celle qui va dire « voilà nos réalisations ». Ben, ça peut être grisant, justement, pour ça, être un porte-parole d'une organisation, dans le sens où quand ça va bien… souvent, on va associer le fait qu'on favorise, par exemple, la création d'emplois, des retombées économiques, on rend la joie dans une communauté. Alors, en quelque part, on est l'image de tout ça. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas non plus tomber dans le piège ou de se prendre
plus fort que l'organisation comme telle. C'est comme un pilote de Formule 1. T'as beau avoir le meilleur pilote au monde, mais si t'as pas une bonne voiture, tu gagneras jamais. Alors donc, en quelque part, pour moi, t'es jamais plus fort que ton char ou t'es jamais plus fort, dans le fond, que ton équipe qui te soutient. Tu amènes un sujet que j'avais peut-être pas vu venir, qui est l'ego. Oui. L'ego des porte-parole, ou l'ego à travers la sphère publique. Comment, comme organisation, ou comme... Là, je pense peut-être au conseil d'administration qui ont un DG à gérer. Tu vois ça comment, toi, cet élément-là? Bien, moi, je pense que c'est toujours de rappeler à ces porte-paroles le rôle qu'ils ont. Hein? C'est vraiment de ils sont mandataires. Ils ne sont pas l'organisation. Ils sont mandataires de prendre la parole en public, dans le fond. Au bénéfice de l'organisation comme telle. Alors, c'est un privilège, en quelque sorte. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut aborder vraiment ce rôle-là en toute humilité, parce que on a une responsabilité. Et on a la responsabilité de représenter l'organisation. On a la responsabilité aussi d'être humble face à cette fonction-là, parce que, en quelque part, c'est un privilège qu'on peut se faire enlever aussi. Oui, oui, j'imagine. Puis de l'autre côté, tu as des fois des DG qui ne sont pas nécessairement en accord avec la position que l'organisation va prendre. Surtout, tu sais, je reviens toujours de la dichotomie entre le conseil d'administration puis la direction générale. Oui. Comment tu vois ça, toi? C'est quoi la façon de faire pour un DG qui est en désaccord, mais qui doit comme accepter sa pilule puis sortir publiquement? Bien, on dit tout le temps, c'est de laver son linge sale en famille, là, et non pas publiquement. Je pense qu'il faut faire appel, dans le fond, au sens commun, là, dans ce genre de situation-là, parce que de toute façon, à partir du moment où publiquement on commence à affirmer une dissidence, ben là, on risque d'avoir un enjeu ici qui va partir en vrille et qui sera bon pour personne. Fait que ça sera pas bon pour les personnes qui sont en cause et ça sera pas bon non plus pour l'organisation. Fait qu'à moins de vouloir torpiller tout au complet là, l'organisation et l'ensemble de l'écosystème de l'organisation, on prend pas ce chemin-là. La même chose au niveau des potins ou des petites choses qu'on pourrait raconter par en arrière. Oui. Mais en même temps, la nature humaine est à ce qu'elle est. C'est des choses qui peuvent survenir, mais j'y reviens. On a une responsabilité comme porte-parole. Et le public aussi reconnaît cette responsabilité-là. La manière dont on va s'acquitter de cette tâche, le public va le reconnaître comme tel. Alors, si on le fait bien, on va reconnaître qu'au fond, on est un excellent porte-parole, et à l'inverse, c'est aussi vrai. Être porte-parole, c'est être devant une caméra, c'est être devant un micro à la radio dans certains cas, les podcasts, ainsi de suite. Là, c'est quoi, selon toi, les trois essentiels avant d'être devant une caméra ou un micro? C'est préparation, préparation, préparation. On a une histoire à raconter. Et cette histoire se prépare. Et d'être capable, avec un minimum de mots, d'aller chercher un maximum d'impact. Autrement dit, d'être capable... de raconter son histoire sans que pour autant que ça soit passer son message long. T'sais? Alors, donc, il faut que ça soit simple. Il faut qu'on adopte un langage, dans le fond, qui se comprend. Faut éviter les acronymes, par exemple. Faut éviter de parler la langue de bureau, mais plutôt la langue du public à qui on s'adresse. Alors, donc, c'est vraiment d'identifier nos principaux messages clés. Généralement, on parle de trois messages. Mais en même temps aussi, chacun de ces messages-là vont venir lier l'histoire. J'imagine qu'avec tes clients, toi, tu as un genre de checklist, liste de vérification. Oui, c'est ça. C'est généralement, ce que je propose, c'est, il y a les trois messages clés. Puis sous chacun des messages clés, on va aller identifier, dans le fond, des points d'argumentaire. Ça peut être un mot-clé, dans le fond. Et par la suite, donc avec le message clé, le point d'argumentaire, on peut après ça rajouter des exemples. Ce qui fait que d'un coup d'œil, sans pour autant écrire un discours, d'un coup d'œil, on a le chemin qu'on veut prendre dans notre communication publique ou dans le cadre de notre entrevue.
On a déjà pré-identifié les messages clés, on a pré-identifié dans le fond l'argumentaire qu'on veut utiliser, puis on a pré-identifié d'autres types d'informations qu'on veut véhiculer. Alors donc, sur une seule page, dans notre préparation, on va être capable de résumer avec quelques mots-clés et quelques messages-clés, c'est-à-dire l'équivalent d'une entrevue qui peut durer 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, voire même une allocution d'une heure là, sur une tribune. Mais on s'entend que des fois, ça nous arrive d'être mal cité ou de ne pas être en accord avec la couverture qu'on a reçue ou la façon dont ça a été traité. On fait quoi dans ce temps-là? Je pense que c'est rapidement d'intervenir auprès du journaliste ou du média comme tel. Je dirais que à la base, si on est mal cité, c'est parce qu'on s'est mal exprimé. De façon générale, là, je vous dirais, là, à 99%, là, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais le journaliste fait pas exprès pour nous placer dans cette situation-là. Donc, d'intervenir, puis dans la plupart du temps, si nos arguments sont bons, si on est capable de démontrer que c'est pas ce que ça a été dit, ça sera corrigé rapidement. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est si on parle d'interprétation. Là, peut-être qu'on n'a pas été clair. Le journaliste l'a interprété d'une manière. Il a été influencé peut-être par un tiers ou d'autres sources. Là, à ce moment-là, c'est d'être capable d'entrer dans une négociation avec le journaliste pour nous assurer que l'orientation qui est prise soit peut-être un peu plus atténuée. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où une information est publiée, elle est prise en compte. Donc, la réalité médiatique, qui n'est pas nécessairement la vraie vie, là, mais la réalité médiatique telle que publiée... Ce qui est écrit fait foi de vérité. C'est ça, exactement. Alors, c'est important de vraiment prendre le temps avec les journalistes de peut-être revenir sur l'entrevue ou sur le reportage qui a été réalisé pour bien faire comprendre que l'histoire qui a été racontée, ben en quelque part il y a peut-être des modifications à apporter. Ça ne veut pas dire que ça sera fait, mais au moins on aura peut-être influencé le journaliste pour une prochaine fois. Steve, ça fait longtemps que tu fais de la formation. Tu formes des porte-paroles. Oui. D'ailleurs, je vous invite à contacter Steve si vous avez des besoins à ce niveau-là. On devrait tous, à un moment donné, suivre une formation sur le sujet. Là. J'aimerais ça que tu me parles de l'importance des mises en situation dans le bout. Parce que je sais que ta formation à toi par rapport à d'autres que j'ai vues, elle est très pratique. Oui. Tu places du monde devant des caméras, tu les mets en situation. Bon. Ça revient aussi à l'élément de préparation. J'aimerais ça que tu m'en parles de cette importance-là, des mises en situation, puis du vécu face à une caméra. C'est important parce que de se préparer et de simuler l'entrevue avant de commencer à en faire pour vrai. Ne serait-ce que pour se mettre en bouche l'histoire qu'on veut raconter. Donc, autrement dit, quand arrivera le temps de faire l'entrevue, bien, on l'aura peut-être fait 2, 3, 4 fois avec des collègues. Puis, on sera réchauffé, je dirais. Donc, on aura réussi donc de passer de la préparation, donc de la préparation de nos messages clés à la livraison. Donc, on aura réussi à ce moment-là à s'approprier l'histoire. Alors, c'est pour ça que les simulations sont importantes. Pas juste au niveau technique, donc dans la livraison, la prononciation, le rythme, le geste qu'on va utiliser, mais dans l'appropriation de l'histoire comme telle. Donc, pour pas qu'il y ait d'hésitation, pour qu'on puisse avoir le bon mot, pour qu'on soit capable d'avoir vraiment cet effet avec un minimum de mots, d'aller chercher le maximum d'impact. D'être capable aussi de faire la connexion entre le besoin du public au niveau de l'information puis le message qu'on veut transmettre. Encore là, ça devient aussi une question d'ego. Là. J'en ai pas besoin de me préparer. J'ai fait ça 25 millions de fois. Bien, les plus grands communicateurs se préparent. Je ne verrais pas pourquoi d'autres ne se prépareraient pas et se feraient juste confiance. Parce que on n'est pas tout seul. Je veux dire, on est en conversation avec une autre personne. Puis tu as d'autres gens qui sont témoins de cette conversation. Alors, il faut que minimalement on soit préparé et comme ça, il n'y a pas d'hésitation, on a l'air plus, euh,
plus affirmatif, on est plus solide, on est plus crédible. Parce que les facteurs de crédibilité d'un porte-parole, c'est beaucoup axé sur comment tu es et non pas nécessairement ce que tu dis. Donc. Il y a certains journalistes, chroniqueurs, animateurs de radio, pour pas, je pense à un en particulier, là, qui ont un style qui peut être un peu agressif, où vraiment on est vers ce que tu dis, c'est pas ça que je veux entendre. Je veux entendre l'autre affaire que je pense qui est peut-être en arrière de la nouvelle. À un moment donné, il faut être capable, soit, je reviens à l'idée du miroir ou du ricochet, là. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils pour être capable de ramener un journaliste vers, quand on change de place, là, ramène-nous, là? Bien, en fait, une entrevue, c'est pas un sous-pénat, hein. On n'est pas obligé de la donner, hein, première des choses. Deuxième des choses, lorsqu'on est en entrevue, on n'est pas là pour répondre aux questions du journaliste. On est là pour transmettre de l'information à un public, transmettre des messages à un public. Alors, c'est pas au journaliste qu'on parle, on parle à un public. Alors, lui, dans le fond, le journaliste, oui, il peut peut-être insister sur certaines choses, mais en quelque part aussi, je veux dire, on a la possibilité de dire, oui, je comprends très bien votre point de vue, oui, je sais, je vois très bien où vous voulez m'emmener. Maintenant, par rapport au public à qui je m'adresse, ben, ce que ce public-là s'attend de moi, c'est que je réponde à telle chose. Voici ce que j'ai à dire. Puis, ce qui prime, c'est le message qu'on va transmettre au public, particulièrement quand on est en direct. Oui, mais là, c'est... Parce qu'il n'y a pas de traitement possible. Oui, c'est ça, exactement. Effectivement, la magie du direct peut vite se transformer. C'est pour ça que je vais toujours favoriser avec, par exemple, des clients qui sont plus à l'aise, des entrevues qui se passent en direct, justement parce que ça permet, sans filtre, de pouvoir passer un message là, directement là, à la clientèle visée. Mais d'ailleurs, tu sais, souvent on veut... Comment on fait pour passer le même message tout le temps sans nécessairement avoir de l'air de la cassette préenregistrée? Tu sais, ce qu'on reproche à beaucoup de politiciens, là? Bien, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de substance. Ce qu'on reproche habituellement quand on parle aux politiciens ou à d'autres, là, quand on parle de cassette, c'est qu'il n'y a pas de substance. Par exemple, quand on dit « nous avons un plan », ben oui, OK, mais encore, tu sais. Alors, faut venir détailler le plan. Nous avons un plan pour tel type de clientèle et ça se décline de telle façon, de telle façon, de telle façon, de telle façon. OK, parfait. Là, je comprends que c'est un vrai plan, mais c'est pas juste des paroles. Là, il y a quelque chose, il y a des actions qui seront posées. Alors là, on comprend un peu mieux, puis on est plus à mesure. On est à même de mesurer davantage l'efficacité de l'organisation par rapport à une situation, justement par les actions qui sont prises puis qui sont communiquées. En résumé, porte-parole, c'est beaucoup la préparation, puis l'identification des messages, puis après ça, c'est d'être soi-même en même temps. Tout se passe en amont. Tout se passe en amont. Ouais. Merci, Steve. J'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à commenter en dessous de la capsule, de pouvoir rajouter votre petit thumbs up si vous avez apprécié. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.